Hey yo tout le monde, c'est Tito de Garneuf, que chez vous ça va super, en tout cas moi ça va nickel. Tito de Garneuf et de Majestic Lion, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Obscur Clan. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon petit retour, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas commenté pour l'Obscur, ça me fait vraiment plaisir, je suis revenu dans la team et je suis prêt pour vous présenter de toutes nouvelles vidéos. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite news, vous l'aurez vu. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à dire qu'on envoie cette vidéo à code QG et code CF pour avoir un petit peu plus de visibilité tout simplement au niveau de la communauté, que plusieurs personnes puissent savoir un petit peu, voilà, se poser les questionnements, etc., etc. par rapport à cette news, parce qu'on n'est pas encore sûr que ce soit 100% du vrai. Bon, peut-être que les leaks sont un peu fake, on verra un petit peu. Donc n'hésitez pas à nous dire vos avis, et merci à code QG et code CF, c'est une news upload. Pour ce qui est du gameplay, je le présente rapidement, c'est un gameplay d'Amnesia. C'est une nucléaire à la M8A7, j'allais dire à la M27, mais pas du tout. À la M8A7 sur Infection, vous l'aurez remarqué. C'est pas un gameplay de malade, c'est pas une double, une triple nuque. Mais le plus important aujourd'hui, c'est l'information que je vais vous faire parvenir. Effectivement, vous l'aurez vu dans le titre, on va avoir des camouflages du zombie dans le multijoueur. Alors, je vais m'expliquer très rapidement. Pour ceux qui jouent souvent aux zombies, ça va être simple. Vous voyez le pack à punch, bah quand vous améliorez une arme, vous avez des camouflages qui apparaissent. Donc il y en a un bleu, un rouge, un vert, un jaune, je crois bien. Si je me trompe pas, voilà, je crois qu'il y a que ça en couleur. Il y a peut-être d'autres. Hein. J'améliore pas souvent en zombie pour vous dire. Pour ceux qui y jouent pas, bah, c'est sûr c'est un petit peu difficile à visualiser. Mais pour ça, on vous mettra des images au montage sans problème. Donc vous le remarquerez, vous l'avez remarqué, je pense, ces camouflages là ressemblent beaucoup au Dark Matter. Je pense que Activision a voulu nous laisser une chance pour les joueurs qui. N'ont pas encore le Dark Matter de mettre un camouflage aussi beau. Pour moi, les camouflages du zombie sont aussi beaux. Donc voilà, ces camouflages-là, ça a été confirmé. C'est pas encore sûr à 100% puisque ce n'est pas un leak d'Activision. C'est un Américain qui a fait l'enquête un petit peu tout seul. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à sa vidéo, elle est dans la description. Faut toujours citer ses sources. Forcément, on va pas s'attribuer le mérite de quelqu'un d'autre là obscur, on n'est pas comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à sa vidéo, elle est en anglais pour ceux qui comprennent. N'hésitez pas à essayer de comprendre un petit peu tout ce que l'Américain a dit. Donc voilà, la petite nouveauté c'est ça, on va avoir quelques camouflages qui vont arriver, qui ressemblent beaucoup au Dark Matter, j'en conviens, mais je pense qu'ils vont plaire à un grand nombre des joueurs. Bien entendu, je pense que ce sera en largage de ravitaillement, ça m'étonnerait que ce soit directement à la boutique comme sur Black Ops 2, même si cette forme-là d'achat, cette forme-là pour obtenir d'obtention de camouflage, on va dire, voilà, je préférais largement récupérer des camouflages directement dans la boutique et être sûr de les avoir que d'y aller en largage de ravitaillement. Mais je pense qu'Activision a compris que pour se faire du bénéfice, c'était le mieux d'utiliser les largages. Bref, j'espère que cette petite vidéo, cette petite information vous a plu. En tout cas, c'est, voilà, on verra bien ce qui va arriver. N'hésitez pas à me dire à vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Est-ce que vous pensez que c'est une connerie ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est du fake? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, bien entendu, en restant poli, en restant respectueux, que ce soit envers l'Américain ou envers la Obscure tout simplement, qui a fait ses recherches tout de même avant de proposer cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Obscure si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vais vous laisser, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, on se dit à la fois prochaine, c'était Toto. Allez, salut tout le monde.